Durant la maladie, Johnny Hallyday a pu compter sur le soutien de Laetitia, son épouse. Mariés en 1996, les tourtereaux se sont serrés les coudes. Et ont vécu des moments très durs durant les derniers mois de la vie du taulier. Le rocker se battait en effet contre un cancer. Du poumon, jusqu'à son dernier souffle poussé le 5 décembre dernier. Depuis, le testament de son homme, qui a décidé de lui léguer sa fortune, a mis le feu aux poudres. Ces deux aînés, David et Laura, ont décidé de contester le document devant la justice. La veuve de Johnny, Alida, essuie les critiques de la part des fans de Johnny qui ne comprennent pas que leur idole ait pu choisir de déshériter ces deux premiers enfants au bénéfice de Laetitia. La mère de Jade et Joy est notamment accusée d'avoir manipulé son mari pour arriver à ses fins. Moi. Je l'ai vu bien se comporter, se comporter en femme aimante, en merveilleuse infirmière, en merveilleuse maîtresse, en diététicienne, en conscience, tellement qu'elle gonflait. Parfois Johnny, explique Pierre Billon, réhabilitant ainsi le rôle de l'épouse du rocker, durant un reportage diffusé sur LCI le 25 mai dernier. C'est énorme. 24 ans avec Johnny Hallyday, 24 ans avec un ange, 24 ans avec le diable, on va dire que les premières années, Johnny était le. Diable. Je pense qu'il était ange vraiment sur les dix dernières années. Ça fait quatorze pigeons, tu dois avoir une sérieuse dose d'amour continue. L'mi du taulier.